À ce moment-là, le spirothécosaure sort la tête du volcan. Et là, Jim Travolton se pointe. Alors le monstre, on a oublié son agrafeuse? Parce que, en fait, son pistolet, il ressemble à une agrafeuse. Ça m'étonne que mamie ait accepté de t'emmener voir ça. Tu n'es pas un peu jeune? Oh, tu sais, il n'y avait que des adultes dans la salle. C'est vrai qu'on ne te voit pas grandir. Ah, au fait, chérie, tu n'oublies pas que ce soir, nous prenons l'apéritif chez les Martin. Mais qu'est-ce qu'on fait de Raymond? Babysitter. Oh, maman, je peux venir? Tu es sûre que tu ne vas pas t'embêter avec des adultes? Bah non, pourquoi? Et alors à ce moment-là, Spiro arrive dans le bureau et il lui balance en pleine face. Tiens, lave-la ton agrafeuse. Alors Raymond, tu ne t'ennuies pas trop? Non, c'est passionnant. Suis-moi, je vais te présenter Max. Max? Mon grand-fils, vous êtes fait pour vous entendre. Max, il y a Raymond qui est venu pour te voir. Amusez-vous bien. Max? Max? J'étais cachée. Doit y avoir un problème là. Tu n'as pas un grand frère qui s'appelle Max? Mais c'est moi Max. Tu viens jouer à la dinette? On va jouer à dinette. On va jouer à dinette. On va jouer à dinette. Pas de grand frère? Un chien, une tortue, n'importe quoi? Ah, j'ai une super table de ping-pong. Ah bon? Ouais, mais elle est cassée. Tu veux la théière rouge? Mais réveille-toi, Max! Personne joue à la théière à ton âge! Pourquoi? Tu préfères jouer au camion? Camion, théière... Ouais, va pour le camion. Prêt pour le départ! Brrr, je suis le camion qui démarre! Brrr. Ah, toi aussi? Et si on joue à cache-cache, hein? Super idée! Tu regardes pas, hein? Non, non. Voilà, je suis dans l'armoire! Bon, ben, écoute, je vais commencer à te chercher. Hé, Raymond, tu m'as pas trouvé, j'étais dans l'armoire! T'es trop fort pour moi, ce jeu-là. Je préfère qu'on arrête. Même les bouquins sont tout pourris. Léontine et le tracteur magique. Ah, tu as l'imitant de Léontine? S'il te plaît, Raymond. Tu sais, Max, je raconte super mal les histoires. Et puis en plus, j'y connais rien au tracteur, moi. Tu t'embêtes, hein? Tout le monde, il s'embête avec moi. Personne, il veut jamais jouer avec moi ni me raconter des histoires. Tu sais, c'est pas de ta faute. C'est juste qu'on n'a pas le même âge. Moi, je m'intéresse à des trucs pour les grands, quoi. Mais moi aussi, je veux faire ça. Vas-y, montrez-moi. Ben, par exemple... Tiens, tu connais les films de Jim Travolton? Non. C'est bien. Mais attends, mais c'est démentiel. C'est les plus grands films du monde. Raconte-moi, s'il te plaît, raconte-moi. Je suis la reine des Orbecs. Je me promène dans le canyon spatial avec Binyu, mon fidèle assistant. Bravo. Et là, la reine des Orbecs est attaquée par le méchant spirothécosaure. Non, monsieur le monstre, vous ne me faites pas peur. Mais la reine, elle a même pas le temps de dire ouf que le monstre, il lui saute dessus et il lui arrache la tête avec les dents. Ah, on fait moins la maligne, la reine, hein. Et alors, après... Max? Pourquoi il lui a arraché la tête? Mais... Ah, le méchant monstre, oh là là, il est tellement méchant qu'il s'arrache lui-même la tête. Mais pourquoi plus... Pourquoi plus de tête? Ils ont plus de tête. Non, en fait, après, il y a... Poupi! Poupi, le super chien recolleur de tête qui arrive. Ah, tu vois, merci Poupi. Oula Max, mais faut pas le prendre comme ça, c'est qu'une histoire. C'est comme Léontine et son tracteur. Ah bon? Léontine aussi, elle a plus de tête. Mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, Max. C'était une blague. Et Poupi? Comment il va, Poupi? Ah mais il va super bien, il s'éclate, Poupi. T'es sûr? Ah oui, et même que le monstre, il a juste fait une blague. Comme quoi?
quand Arnif le hamster, il fait croire que c'est pas lui qui a mangé le gâteau magique. Voilà, tout à fait. Je connaissais pas cette blague, mais elle a l'air très rigolote. Tu me la racontes, s'il te plaît, Max? Ah, d'accord, d'accord. On n'entend pas un bruit. C'est à croire qu'ils se sont endormis. Cours, cours, Léontine, sinon le pays du chou-fleur enchanté viendra. Ok. Excellente histoire, hein, Max? Encore une autre. Allons, il faut laisser partir Raymond. Je vois que tu t'es bien amusé. Tu sais, c'est le rôle des adultes de s'occuper des plus petits. Très bien. Tu dis au revoir à Max? Je t'attends dans l'entrée. Alors, on se voit la prochaine fois. Écoute, Max, je sais pas comment te dire ça sans te vexer, mais la prochaine fois... Oui? Je prends la taillère rouge. Allez, salut, Max.